Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. En 2015, au Pérou, des pilleurs de tombes, des huaqueros, se lancent dans des fouilles clandestines dans la région de Nazca, célèbre pour ses mystérieux géoglyphes géants. Ils découvrent bientôt l'entrée d'un tunnel conduisant à des chambres souterraines. Ces salles sont reliées par des galeries creusées sur plusieurs niveaux. Un labyrinthe digne de Dédale. Les premières contiennent des artefacts conventionnels, dont deux momies Nazca en position fœtale, celle d'un enfant et d'un homme d'une trentaine d'années. Mais plus les pilleurs s'enfoncent dans la terre, plus ils sont pris d'un étrange malaise. Au détour d'un passage, ils aperçoivent même une créature inconnue de 2 mètres de haut, à la peau brune, qui disparaît dans un puits. Malgré la peur, les huaqueros poursuivent leur exploration. Dans une chambre profonde, ils tombent sur un sarcophage scellé par une dalle de pierre. Ils vont mettre de longues heures à soulever le couvercle. À l'intérieur, ils trouvent plusieurs momies, mais très différentes des dépouilles découvertes plus tôt. Elles sont enduites d'une substance blanchâtre semblable à du plâtre. La plus importante mesure 1,60 m. Elle est recroquevillée en position fœtale. Son crâne présente une déformation importante qui lui donne l'aspect d'un melon. Les yeux sont exagérément bridés. Mais les caractéristiques les plus étranges sont ses mains et ses pieds, qui ne présentent que 3 doigts, ou 3 orteils si vous préférez, et 5 phalanges. Les autres momies, 10, sont beaucoup plus petites. Leur taille varie de 20 cm à 1 mètre, et la plupart sont en position couchée. Elles semblent représenter plusieurs espèces. Il y a quelques crânes de la taille de boules de billard, certains avec des cornes, et des mains géantes, elles aussi à 3 doigts, dont la plus grande ne fait pas moins de 39 cm. Par un concours de circonstances, plusieurs de ces momies se retrouvent entre les mains de Paul Ronceros, un illuminé membre d'une secte christiano-ufologique appelée Alpha y Omega, ou l'Alpha de l'Oméga. Ronceros affirme notamment être en contact avec des créatures venues d'une mystérieuse planète jaune. Ces extraterrestres vivraient dans la région de Nazca. Munis de 2 de ces momies, de la taille de poupée Barbie, il essaie d'intéresser des musées locaux. Il affirme que ces corps sont ceux d'extraterrestres momifiés, voire pétrifiés au fil des siècles. Il faut savoir qu'au Pérou, les musées ne sont souvent que des sites d'exhibition où l'on présente des artefacts plus ou moins authentiques et obtenus de manière nébuleuse. Rien à voir avec le Louvre ou le British Museum. Mais ces musées ne manifestent aucun intérêt pour les momies de Ronceros. C'est leur origine extraterrestre qui soulève des doutes. On se demande bien pourquoi. Le messager des visiteurs de la planète jaune change alors de discours. Ces momies sont plutôt des fabrications artisanales créées par les anciens Nazca pour se remémorer la visite d'extraterrestres, dit-il. Cette nouvelle version ne soulève guère plus d'intérêt. C'est à ce moment-là que Ronceros s'associe à Thierry Jamin. Thierry Jamin est un aventurier français qui vit au Pérou. Il se présente souvent comme un archéologue, même s'il n'en a pas la formation.
Il dirige une petite société, l'Institut Incari, dont le principal objectif est de retrouver Gran Pantiti, une cité légendaire perdue dans la jungle amazonienne. Jamin, plus familier avec les médias conventionnels et sociaux, hésite à s'engager. Le sujet l'intéresse, mais la personnalité de Roncero le freine. Et lorsque le messager des extraterrestres de la planète jaune, qui se considère comme le plus grand prophète moderne, se lance dans la publication de vidéos mystico-ésotériques sous le nom de Kravix 999, Jamin préfère prendre ses distances. Exit Paul Roncero. Jamin et ses compagnons d'Incari se lancent de facto à la recherche des Huaqueros, à l'origine de ces découvertes extraordinaires. De fil en aiguille, il identifie bientôt le chef de ces pilleurs de tombes. Il s'agit de Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, un résident de Palpa, une petite ville de la région d'Ica, à une heure de route au nord de Nazca. Pour protéger son identité, Jamin le désignera sous le pseudonyme de Mario. La semaine, Mario s'offre comme guide pour les voyageurs. Mais les week-ends, ou en période creuse, lui et ses amis écument les sols de la Pampa en quête d'artefacts anciens, des trésors qu'ils revendent aux plus offrants sur le marché noir. Leandro Benedicto Rivera Sarmiento n'est d'ailleurs pas inconnu des autorités du patrimoine péruvien qui le gardent dans leur collimateur pour trafic d'antiquités. Méfiant, Mario accepte néanmoins de travailler avec le français. Pour l'heure, il veut bien lui confier des artefacts biologiques pour analyse, mais il est hors de question, du moins pour le moment, d'identifier les lieux de cette citadelle souterraine. Jamin est emballé. Pour financer d'éventuels coûts de recherche et d'analyse, l'archéologue amateur et ses associés lancent une campagne de cyberfinancement sur Ulule. Jamin baptise l'opération Alien Project, projet extraterrestre. Et ce, avant même qu'une seule analyse ne vienne appuyer l'origine exotique de ces momies. Cette campagne rapportera aux enquêteurs la rondelette somme de 39 510 euros, plus ou moins 42 000 dollars canadiens. C'est plus qu'il ne l'espérait. Les semaines s'écoulent et Mario se révèle un étonnant pourvoyeur et un extraordinaire raconteur d'histoires. Non seulement fournit-il à Jamin de nouvelles momies sur une base quasi hebdomadaire, mais il entretient les gens d'Incari avec des récits d'aventures dignes d'un roman de science-fiction. Il raconte que le souterrain est encore habité par une communauté de petites créatures humanoïdes, reptiliennes, de 1 mètre de haut, et que le site est souvent survolé par des ovnis. Il aurait même aperçu une silhouette féminine aux cheveux blonds et à la peau bleue. Deux de ses compagnons auraient d'ailleurs perdu la vie en tentant de capturer deux de ses locataires d'outre-espace avec des lance-pierres. À partir de janvier 2017, et ce sur une base régulière, Mario fait parvenir à l'équipe de Thierry Jamin des colis aux contenus plus étonnants les uns que les autres. Les trésors de la caverne d'Ali Baba semblent inépuisables. Il y a des petites têtes de créatures reptiliennes de la taille d'une pomme, des mains géantes à 3 doigts et des momies variant de 20 cm à 1,70 m. Certaines sont étendues, d'autres recroquevillées ou en position fœtale. Toutes sont recouvertes de ce curieux enduit blanchâtre rappelant le plâtre. Les analyses révéleront qu'il s'agit en fait de terre de diatomée, une poudre composée d'algues microscopiques fossilisées
et d'éléments marins comme du phytoplancton. La terre de diatomée est surtout utilisée de nos jours comme insecticide naturel. Sur la foi de cette caractéristique, Thierry Jamin spécule que les anciens auraient utilisé cet enduit pour protéger ses restes biologiques. Ce serait bien la première fois. Mis à part ces momies de provenance douteuse, il n'existe aucun autre exemple, ni au Pérou, ni ailleurs dans le monde, de momies recouvertes de terre de diatomée. Les spécimens complets, peu importe leur taille, sont étiquetés de manière arbitraire. Albert, Victoria, Josefina, Vavita ou Maria. L'utilisation de noms masculins et féminins ne sont pas forcément fonction de leur sexe, la plupart étant asexuées. La momie la plus spectaculaire, Maria, fait entre 1,60 m et 1,70 m. Elle est complète, en position fœtale, et sa structure osseuse est presque identique à celle d'un être humain. Son crâne est légèrement déformé et ses mains et ses pieds ne présentent que 3 doigts et 3 orteils, anormalement longs. Maria, exhibée lors d'une conférence de presse à Lima le 11 juillet 2017, deviendra l'emblème de cette curieuse histoire de momie extraterrestre. Au fur et à mesure que Mario livre ses colis, leurs contenus sont amenés dans une clinique médicale de Cusco, où les responsables procèdent à des radiographies et des scans par résonance magnétique. L'imagerie montre que ces momies, ou ces parties de momies, sont bien des restes biologiques, composés d'os et de tissus organiques. Dans le cas des plus petites, qui ont plus ou moins la taille d'une poupée d'enfant, l'ossature est très différente de celle des humains. Les os sont creux, comme ceux des oiseaux. Dans certains cas, l'absence d'articulations ou de tendons montre que ces humanoïdes, en supposant qu'il s'agit d'êtres ayant jadis vécu, n'auraient pas pu bouger ou se déplacer normalement. L'une de ces momies, Josefina, cache dans son abdomen 3 petits objets de forme ovoïde de la taille de noisette. Ce qui amène Thierry Jamin et ses compagnons à spéculer que ces créatures étaient peut-être ovipares, comme les reptiles. Parallèlement à l'imagerie, les responsables du Alien Project tentent d'intéresser des laboratoires reconnus pour procéder à des tests ADN et à des datations au carbone 14. La nature controversée des échantillons rend la plupart des institutions frileuses. Quel laboratoire respecté accepterait-il en effet de se commettre dans une histoire de momie extraterrestre? Qui plus est, une rumeur veut que ces spécimens soient l'œuvre de faussaires qui auraient charcuté de véritables restes humains pour faire croire à leur origine exotique. Si tel est le cas, non seulement il y a eu pillage d'un patrimoine culturel, mais outrage à des cadavres. Enfin, 2 laboratoires canadiens et 1 portoricain acceptent de jouer le jeu. L'affaire des momies aliens de Nazca attire aussi son lot d'entrepreneurs sans scrupules. Des web-télé comme Nouria TV et Gaïa, qui se spécialisent dans une programmation axée sur l'insolite et le paranormal, sont sur les rangs pour présenter l'histoire. Arrive aussi Jaime Maussan. Ce « monsieur mystère » du Mexique se présente comme un journaliste, mais il serait plus juste de le qualifier d'artiste. Il anime sur la première chaîne du Mexique l'émission Tercer Milenio, 3e millénaire, et préside au Production Tercer Milenio. En juillet 2017, Maussan et sa suite débarquent au Pérou pour participer à une importante conférence de presse, au cours de laquelle Maria, la momie la plus spectaculaire, sera présentée aux journalistes. Rapidement, le torchon brûle
entre Jamin et Mossan. La situation s'envenime au point que le Français refuse de participer à la mêlée de presse. Mario, le pilleur de tombes, en profite et mange à tous les râteliers, donnant aux plus offrants. Durant cette présentation du 11 juillet, Mossan, qui vole la vedette, présente une série de radiographies des diverses momies, focalisant sur Maria. Il annonce, sur la foi d'analyse réalisée principalement par l'un de ses collègues, que ces créatures sont des êtres biologiques. Leurs différences par rapport aux humains sont si prononcées, ajoute-t-il, qu'il est indéniable qu'elles sont d'origine extraterrestre. Si cet exercice a pour effet de propulser l'histoire des momies extraterrestres sur le devant de la scène, elles attirent aussi l'attention des historiens, des anthropologues et des archéologues. Il faut dire qu'à ce moment-là, la saga de ces curieuses momies n'avait guère intéressé que les amateurs d'OVNI. Les réactions de ces spécialistes sont unanimement négatives. Ils crient à l'imposture archéologique et au pillage du patrimoine culturel du Pérou. Se plaçant au-dessus de la mêlée, Thierry Jamin continue son enquête contre vents et marées. En août 2017, à l'issue d'une énième rencontre avec Mario, le Huaquero accepte de le conduire jusqu'à sa citadelle. Après une heure de route à travers la Pampa, le groupe arrive en vue d'une colline. Non seulement ce complexe souterrain ne se trouve pas à proximité des géoglyphes de Nazca, contrairement à ce qu'a toujours maintenu Mario, mais il n'est pas non plus formé d'un réseau de galeries. Il s'agit d'une simple caverne qui fait 10 mètres de profondeur pour une hauteur de 1,30 m. C'est dans cette grotte, explique le pilleur de tombes, qu'il a découvert toutes les momies et les autres artefacts proposés ces derniers mois. Il n'y a jamais eu de dédale souterrain, pas plus que de créatures à la peau bleue. Devant le scepticisme de Jamin, Mario change de version. Cette caverne ne serait qu'un leurre. Il a cru bon de monter cette histoire pour se libérer de la pression de tout un chacun, incluant Jamin, qui le harcèle depuis des mois pour révéler l'emplacement de son trésor. L'épisode en laisse plus d'un perplexe. De retour à Cusco, les représentants de l'Institut Incari prennent livraison de 3 nouvelles momies découvertes par Mario. Elles sont du type poupée, comme Albert et Joséphina. Elles mesurent respectivement 43, 47 et 53 cm. Elles sont asexuées et recouvertes de terre de diatomée, cet enduit blanchâtre rappelant le plâtre. Avec ces 3 nouvelles momies, que Jamin baptise la Familia, cela porte à 6 le nombre de ces petites créatures mi-humaines, mi-reptiliennes. La citadelle souterraine de Mario n'en finit pas de livrer des trésors. Un puits sans fond. Le 19 novembre 2018, Thierry Jamin, Jaime Mossan, avec lequel Thierry s'est réconcilié, et le congressiste Armando Villanueva Mercado, président de la Commission Culture au Congrès de la République du Pérou, commission qui se passionne pour l'affaire des momies tridactyles de Nazca, tiennent une nouvelle conférence de presse à Lima. Devant un parterre de journalistes et de curieux de tout acabit, les responsables et leurs partenaires viennent présenter leurs conclusions. Ils offrent des rapports d'analyse ADN, des datations au carbone 14 et une quantité de radiographies et de scans. Selon ces études, les momies dateraient d'époques différentes. Maria, par exemple, aurait vécu aux alentours du 3e siècle de notre ère, en pleine période de la civilisation Nazca, qui a occupé cette région entre 200 avant Jésus-Christ et 600 de l'ère commune. En revanche, Vavita, une petite momie d'enfant recroquevillée, daterait de 800 à 1000 ans, c'est-à-dire au cœur de la civilisation Chachapoyas,
quelque part entre 900 et 1400 de l'ère commune, qui s'est développée dans une région beaucoup plus au nord de Nazca. Quant aux analyses ADN, si toutes témoignent d'un pourcentage de tissu humain, Homo sapiens, certaines suggèrent la présence de contaminants et de matériel génétique non identifié. Pour les défenseurs de l'authenticité et de l'origine extraterrestre des momies, ces constats sont la preuve ultime. Pour Thierry Jamin et ses collègues de l'Institut Inkari, la boucle est bouclée. Pour l'aventurier, son mandat a été respecté. Au début, il s'était engagé à enquêter sérieusement sur ces reliques, et ce, avec un maximum de transparence. À l'été 2019, il juge venu le moment de se séparer des momies de Mario. Mais doit-il les retourner au Aqueros, qui va sans doute s'empresser de les vendre aux plus offrants? Ou doit-il les confier à des gens qui verront à poursuivre leur étude? Après des échanges corsés avec Mario, qui fait l'objet d'un contrôle fiscal et risque des accusations criminelles, le pilleur accepte de se départir des momies au profit de l'Université nationale San Luis Gonzaga d'Ica. En juillet, quatre des momies, Maria, Vavita, Victoria et Albert, prennent la route de la capitale provinciale. Le 6 novembre, l'université tient une conférence de presse à laquelle participent Thierry Jamin et Jaime Mossan, un point de presse durant lequel les momies sont présentées, encore une fois, aux médias nationaux. L'établissement annonce que les momies seront exhibées gratuitement dans une salle de l'université spécialement aménagée. L'éclipse de Thierry Jamin ne met pas fin à l'histoire des momies tridactyles, ni au commerce de Mario. Aux dernières nouvelles, il continuerait d'extraire de son puits sans fond des trésors qu'il vend à prix d'or à des chercheurs aux quatre coins du monde. Il aurait vendu des momies de type poupée à des collectionneurs au Mexique et en Espagne, des artefacts métalliques à des Français et même une main à trois doigts à un acheteur québécois. Du 3 septembre au 11 décembre 2022, au sortir de l'épidémie de COVID-19, le Tijuana Trade Center, place Paseo del Parque, à Tijuana, au Mexique, tout près de la frontière de la Californie, a tenu une exposition consacrée aux momies extraterrestres de Nazca. L'activité était l'aboutissement d'une entente survenue entre l'artiste journaliste mexicain Jaime Mossan et l'Université d'Ica au Pérou. Pour l'occasion, des momies originales et des copies ont été présentées au public moyennant 180 pesos, 13,40 $. Une aubaine. En septembre 2023, Jaime Mossan a fait faire un nouveau tour de piste à ses momies extraterrestres en présentant deux d'entre elles au Congrès mexicain. La tribune était parfaite. À l'instar des États-Unis, le Congrès mexicain tenait alors des auditions publiques pour évaluer la pertinence de créer un organisme étatique pour enquêter sur les ovnis. Mossan n'allait quand même pas laisser passer une telle opportunité. Il a dépoussiéré ses momies au rancard depuis un an pour les présenter aux élus, servant aux plus naïfs d'entre eux l'histoire de leur extraordinaire découverte dans quelques cavernes souterraines de Nazca, un haut lieu de la soucoupe volantrie moderne et passée. Les momies extraterrestres de Nazca. Dossier 20150600. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Thierry Jamin est l'exemple du bon gars. Le sympathique aventurier se présente comme un parangon d'honnêteté et de transparence.
Il rappelle qu'il n'est motivé que par la vérité et l'avancement des connaissances et de la culture humaine. En 2020, il a publié « Les momies non humaines de Nazca », un livre magnifique et richement illustré. L'ouvrage, qui se veut le récit de son implication dans l'Alien Project, offre en annexe les rapports ADN et les datations au carbone 14. Bref, le lecteur a l'impression d'avoir en main tous les éléments nécessaires pour se faire une opinion éclairée. Mais comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, l'important n'est pas tant ce que dit ou écrit Thierry Jamin, mais ce qu'il ne dit pas. Et c'est là que le bât blesse. La première faute de cet apôtre de la vérité est de faire croire au lecteur qu'il a fait preuve de science dans son enquête. Malheureusement, la science de Thierry Jamin est un indescriptible cafouillage à la limite de la fraude intellectuelle. Si vous croyez que ces méthodes étaient sérieuses, il est grandement temps de réviser vos manuels scolaires. Aucune institution digne de ce nom n'aurait accepté de participer à cette mascarade. Tout au long de son livre, le Français tire à boulet rouge sur ses détracteurs, sans toutefois répondre à leur principale critique, son absence de rigueur. Jamin évite judicieusement de parler de protocole scientifique. Il accuse les sceptiques de le traiter d'escroc, mais refuse de reconnaître que son enquête était d'un amateurisme éhonté. S'il n'était pas lui-même visé par la critique, il serait le premier à décrier cet épouvantable gâchis. Au départ, l'aventurier explique avoir été approché par Paul Ronceros, un illuminé soi-disant en contact avec des extraterrestres. Pour éviter les critiques inutiles, il a pris ses distances pour respecter une démarche qu'il voulait purement scientifique. Il s'est alors associé à un pilleur de tombes notoire qui lui a fourni des spécimens à la chaîne, sans se soucier de leur provenance. Si son pourvoyeur disait les avoir découverts dans une mystérieuse caverne d'Ali Baba, c'est qu'il devait en être ainsi. Non seulement jamais a-t-il accepté l'inacceptable, mais il ne s'est jamais indigné devant les fables rocambolesques de Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, alias Mario. Pire, lorsqu'il s'est buté à des invraisemblances, comme les os creux de certaines momies, une caractéristique présente uniquement chez les oiseaux, il s'est lancé dans des spéculations loufoques. Il a rappelé que les oiseaux descendaient des dinosaures et qu'une race reptilienne pouvait fort bien avoir hérité de cette caractéristique, ou encore que l'édite momie souffrait peut-être d'ostéoporose. Pourquoi pas? Jamin ne s'est pas étonné non plus du fait que les reptiles de la faune actuelle, les crocodiles, les lézards et les serpents, ont tous des os pleins. Par leur morphologie, il est clair que les momies de Nazca n'appartiennent pas à une espèce volante. Pour des créatures extraterrestres et de surcroît bipèdes, des os creux auraient été un sérieux handicap. En revanche, des os d'oiseaux sont parfaits pour fabriquer des mannequins miniatures. Jamin n'a pas vu ou n'a pas voulu voir la coïncidence. Au contraire, à chaque nouvelle invraisemblance, il a justifié ses recherches en citant des experts comme Jimmy Gueux, Maxwell Batespear, David Hike ou Brad Steiger. Des complotistes, aussi crédibles que Donald Trump. À d'autres moments, dans sa dérive, il a tenté des rapprochements boiteux avec des histoires douteuses, comme le prétendu enlèvement, par des extraterrestres bien sûr, de Betty et Barney Hill, l'atterrissage d'un ovni à Valensole en France, ou les Néphilim de la Bible. À court d'arguments, la Bible devient vite une pépinière inépuisable. Pouvez-vous imaginer un oncologue justifiant ses travaux sur le cancer
en se référant à des homéopathes ou à l'urinothérapie. Troublant quand même. Dans sa quête de vérité, Thierry Jamin s'est retrouvé entouré de personnages sulfureux. Parmi eux, un scientifique russe, Konstantin Korotkov, un informaticien et un biophysicien sans aucune expertise en archéologie, en histoire ou en anthropologie, qui a commercialisé un appareil capable de prendre des clichés de l'âme. Oui, oui, de l'âme. Dans la communauté scientifique, Korotkov est vu généralement comme un charlatan. N'oublions pas non plus le journaliste mexicain Jaime Maussan, impliqué dans à peu près toutes les fraudes liées aux ovnis au cours des 10 dernières années. Comme plateforme médiatique, l'aventurier s'est associé à Gaïa et Nouria TV, des chaînes de télévision Internet qui se spécialisent dans la diffusion de reportages ésotériques et pseudo-scientifiques. Cette aventure, que Jamin qualifiait de « scientifique », a vite pris des allures de cirque, à moins que Jamin ne place au même niveau la science d'Albert Einstein et celle du professeur Tournesol. La méthode scientifique, que l'on s'appelle Albert Einstein ou Bob l'éponge, tient en 5 étapes fondamentales. L'observation, l'hypothèse, l'expérimentation, la théorie et les résultats, publiés dans des périodiques scientifiques. La méthode de Thierry Jamin s'arrête à l'étape numéro 1. Il n'émet aucune hypothèse cohérente, ne se livre à aucune expérimentation. Comment aurait-il pu, lui qui n'a jamais su d'où provenaient les momies, ne propose aucune théorie sérieuse et présente et publie ses conclusions sur des web-télé entre 2 pseudo-documentaires sur des licornes. Soulignons que pour la seule année de 2017, la web-télé Gaïa, via son service Pay-Per-View, a encaissé des revenus de 30 millions de dollars US pour sa série sur les momies extraterrestres du Alien Project. L'argent est un bien mauvais maître. Et c'est ce même Thierry Jamin qui se pose à présent en victime d'une élite scientifique dogmatique. L'explorateur aurait pu s'épargner ce harcèlement en s'entourant d'archéologues et d'experts en momies anciennes, ce qu'il n'a pas fait. L'entièreté de son enquête est faite en dehors de tout contexte archéologique. C'est quand même étrange pour un individu qui adore se présenter comme archéologue. Même ses commentaires sur les tests ADN et les datations au carbone 14 sont tordus. Pour des analyses de matière cérébrale extraites de la tête d'une petite momie sans corps et d'un échantillon d'une des mains géantes, Jamin s'est adressé au laboratoire paléo-DNA de l'Université Lakehead de Thunder Bay, en Ontario, au Canada. Le rapport final, daté du 4 mai 2017, est catégorique. Les restes sont humains, Homo sapiens. L'auteur, le biochimiste Stéphane Flapietro, déplore toutefois ne pas avoir assisté à la prise des échantillons, ni avoir vu les 10 spécimens d'honneur. Son analyse, déplore-t-il, doit donc se limiter aux spécimens reçus par le laboratoire. Cette remarque peut sembler anodine, mais elle ne l'est pas. Au contraire, lorsqu'il s'agit d'analyser des artefacts controversés, comme ce fut le cas avec le mystérieux linceul de Turin en Italie, il est impératif de documenter la prise des échantillons en suivant un protocole rigoureux. Dans le cas des tissus envoyés au laboratoire paléo-DNA, il n'existe aucun protocole publié par Alien Project. Qui plus est, il n'y a aucune certitude sur l'origine de ces artefacts, sauf les fables de Paul Ronceros et de Mario, le pilleur de tombes. Quant aux autres rapports d'analyse ADN, tous soulignent la présence de matériel génétique humain, Homo sapiens. Toutefois, et c'est ce qu'évite de mentionner Thierry Jamin et ses acolytes, les pourcentages varient tellement
d'un laboratoire à un autre que ses résultats soulèvent des doutes légitimes. Pour des tests menés sur l'une des mains tridactyles géantes, le laboratoire Biotechmol au Mexique a identifié 19,82% de matériel humain contre 100% chez PaleoDNA au Canada et 97,69% pour le laboratoire Abrax Biosystem au Mexique. De deux choses l'une, ou les techniciens de ces laboratoires sont des incompétents, ou il y a quelque chose qui cloche avec ces échantillons. Ces momies pourraient-elles être plutôt des chimères composées de matériaux d'origine différente? Poser la question, c'est y répondre. Même embrouille du côté des datations au carbone 14. Les résultats du laboratoire Infunam au Mexique estiment l'âge de Victoria, une petite momie style poupée, à plus ou moins 800 ans. Alors que les experts de l'Universidade Federal Fluminense au Brésil parlent plutôt de plus ou moins 1050 ans. Que dire des deux échantillons os et tissus soumis au laboratoire Caribbean Trace Genetics Archaeobiology à Porto Rico, provenant d'une des mains géantes à trois doigts. Pour les tissus, les experts estiment l'âge à plus ou moins 1100 ans. Pour les os, ils parlent plutôt de plus ou moins 7300 ans. Oui, oui, 7300 ans. On parle bien ici d'un seul et même artefact daté par un seul et même laboratoire. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Les techniciens ont eux aussi été surpris par cette différence, l'expliquant par une possible contamination. Une contamination qui rime peut-être avec falsification. De façon plus générale, les laboratoires sollicités évaluent l'âge des momies entre 7000 et 800 ans. Une fourchette plutôt large. Comment expliquer que des momies appartenant à des époques et à des cultures différentes, Paracas, Nazca, Chachapoyas, puissent se retrouver dans une même tombe? C'est comme découvrir dans la grande pyramide de Khéops en Égypte une collection de dépouilles égyptiennes, grecques, romaines et vikings à côté du cercueil d'Elvis Presley. Du jamais vu dans l'histoire de l'archéologie. On comprend qu'avec de telles données contradictoires, Thierry Jamin ou Raimé Moissan ont l'embarras du choix pour construire le scénario le plus vendeur. Et je ne parle ici que d'un constat à la portée de tout journaliste avec un minimum de sens critique. Les scientifiques patentés, eux, sont beaucoup plus acides. Thierry Jamin balaie les critiques d'experts en reprochant aux scientifiques de ne pas avoir fait le voyage au Pérou pour voir de leurs propres yeux les dites momies. Il a toutefois décliné toute proposition visant à reprendre gratuitement ses analyses. La seule condition, science oblige, était de participer à chacune des étapes du processus. M. Jamin a refusé. Cela dit, cet argument d'une observation directe est absurde. Les astrophysiciens, par exemple, peuvent très bien étudier le sol de Mars ou les données transmises par les sondes d'exploration sans pour autant se rendre sur la planète rouge. De nombreuses photographies, radiographies et scans circulent au sujet des momies de Nazca, permettant une évaluation très étoffée. Il faut reconnaître qu'à ce chapitre, Thierry Jamin a fait preuve de transparence, publiant sur le site d'Alien Project beaucoup de documents, photographies, radiographies, tomodensitogrammes et résonances magnétiques. Rendons à César ce qui est à César. Cela dit, tous les scientifiques qui se sont penchés sur cette histoire ont conclu à une fraude. Ils s'étonnent, et je les comprends,
que des gens puissent être aussi naïfs. Maria n'est visiblement qu'une momie humaine que des vandales ont amputée de deux orteils à chaque pied et de deux doigts à chaque main, incluant le pouce. L'aspect de son crâne n'a rien d'extraordinaire, sachant que ce genre de déformation artificielle était très répandu en Amérique précolombienne et est encore pratiqué dans certaines régions d'Afrique. Quant aux plus petites momies, elles sont des rafistolages de mauvaise qualité. Les radiographies des mains géantes, entre autres, montrent que les os des poignets, provenant d'humains et d'oiseaux, ont été assemblés sans cohérence et sans articulation. Les scans, tomographie et résonance magnétique permettent incidemment d'identifier les animaux qui ont été utilisés pour fabriquer ces spécimens. Les petites têtes, par exemple, sont des crânes de chat montés à l'envers ou des morceaux de crâne de lama. D'autres radiographies ou tomodensitogrammes montrent sans ambiguïté que des os d'origine diverse ont été coupés ou fracturés pour permettre l'assemblage des spécimens de type poupée. Ces mêmes radiographies témoignent que les os des bras droit et gauche ne sont souvent ni de la même origine ni de la même longueur, plaçant les coudes à des hauteurs différentes. La seule explication à ces anomalies est la fraude. Quant à la momie Maria, les radiographies révèlent l'amorce de 5 os métatarsiens pour 3 orteils seulement, idem pour les os des mains. Il ne s'agit ni d'une anomalie ni d'une malformation, mais d'une mutilation à dessein. Le 14 décembre 2018, j'ai accueilli au micro de mon émission radiophonique Radio X-Files le docteur et anthropologue français Alain Froment. Il a été directeur du Centre d'investigation et de recherche sur les momies et responsable, de 2006 à 2016, des collections d'anthropologie du Musée de l'Homme à Paris. Le docteur Froment est une sommité dans son domaine. Il a passé de longues heures à étudier les photographies des dites momies extraterrestres. Son verdict est sans appel. Primo, toute la manipulation de ces artefacts est une parodie. Le travail des soi-disant chercheurs du Alien Project, avec leurs blouses bleues et leurs coiffes de chirurgiens, tient de la mise en scène. Même les équipements utilisés pour les radiographies et les tomodensitogrammes sont obsolètes. Et ce, quoi qu'en dise Thierry Jamin. Aucun expert en momies anciennes n'aurait travaillé de la sorte. C'est du théâtre. Secondo, les rapports ADN et les datations au carbone 14 sont très incomplets. Ce genre d'expertise exige une manipulation minutieuse. Les analyses doivent tenir compte de l'ancienneté des échantillons et de leur contexte archéologique. Deux éléments absents des communications du Alien Project. Le docteur Froment a rappelé que la mention « matière organique non identifiée » ne signifie pas « extraterrestre ». Si les momies sont un amalgame d'os d'origine diverse et de matière animale ou végétale, comme le dénoncent tous les scientifiques, il n'est pas étonnant que les résultats soient si confus. Enfin, tertio, comme l'ont souligné ses collègues, les momies ne sont que du bricolage artisanal pour les plus petites et des mutilations pour la plus grande, baptisée Maria. Pour le docteur Froment, la messe est dite. Les momies tridactyles de Nazca sont une fraude. Si les momies du Alien Project ne sont que des chimères composées de restes humains trafiqués pour servir quelques objectifs frauduleux et mercantiles, que font les autorités péruviennes? Cette histoire a profondément choqué et continue de dégoûter les historiens, archéologues et anthropologues du monde entier, à commencer par les scientifiques péruviens. En juillet 2017, une dizaine d'entre eux ont adressé au ministère de la Culture, au ministère public et à la police nationale du Pérou une lettre exprimant leur préoccupation devant cette fumisterie.
Malheureusement, la préservation de ces momies n'a suscité qu'un intérêt mitigé, même si les autorités ont reconnu que ces analyses avaient été faites sans autorisation. La seule réaction significative, mais tardive, est survenue au printemps 2022. Le 19 avril, Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, alias Mario, le pilleur de tombes, a été arrêté pour cette escroquerie. Le Huaquero a été condamné à 4 ans de prison avec sursis et à une amende de 25 000 sols, soit 9 000 $ canadiens, pour avoir, selon l'acte d'accusation du ministère de la Culture du Pérou, organisé des fouilles illégales sur le polygone de la réserve archéologique des géoglyphes de Nazca, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Le document mentionne aussi le trafic et la manipulation de restes humains. Les momies n'ont malheureusement pas été saisies. Depuis 2019, elles sont conservées à l'Université nationale San Luis Gonzaga de la ville d'Ica. La même année, la direction décentralisée de la culture d'Ica a demandé sans succès aux autorités universitaires à remettre au ministère de la Culture tous les vestiges archéologiques en sa possession. Sans succès, l'institution prétextant qu'un groupe de professeurs allait les examiner pour déterminer leur authenticité. Si de tels examens ont été menés depuis, l'université n'en a pas soufflé mot. Un laxisme à mettre sans doute au compte de la pandémie de COVID-19. En septembre 2022, une autre lettre, regroupant cette fois les signatures d'une vingtaine d'experts internationaux, incluant le docteur Alain Froment, a été envoyée aux autorités péruviennes. Les auteurs y soulignent l'urgence d'agir, considérant que certaines momies ont déjà été vendues à des collectionneurs outre-mer ou font l'objet d'expositions à l'étranger, entretenant faussement le mythe de leur origine exotique. Depuis septembre 2022, les choses sont au point mort. Même Thierry Jamin et ses acolytes sont demeurés discrets. De son côté, la chaîne Gaïa continue d'exploiter cette fumisterie. En 2017, la web télé a inscrit à son catalogue une série en 6 parties, Unearthing Nazca. En 2020, la série a été condensée dans un pseudo-documentaire de 69 minutes intitulé Unearthing Nazca, The Complete Story. Le film est racoleur à souhait et ne présente que l'angle extraterrestre des momies. À ce jour, cette nouvelle mouture a été vue plus de 5 millions de fois. Je paraphraserai le grand intellectuel français Lucien Romier en disant « Pour l'homme ignorant, le cinéma ou la télé représentent une prodigieuse économie d'efforts intellectuels. » Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.